Bonjour, alors pour ce treizième petit temps de méditation, eh bien je vous propose de prendre l'Évangile du jour, au moins en partie. Je vous le lis. Quand il approcha de la ville, donc c'est dans Luc toujours, puisque c'est ce que nous propose la liturgie, donc Luc chapitre 19, je vous lirai le verset 41, 42 et 44. Quand il approcha de la ville et qu'il l'aperçut, il pleura sur elle. Il disait, Si toi aussi tu avais su en ce jour comment trouver la paix, mais hélas cela a été caché à tes yeux, tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Alors je voudrais revenir un peu au, à l'évangile d'hier et reprendre le verset euh, 20 du chapitre 19, vous savez, c'était cette histoire avec euh, la distribution de, de sommes d'argent à différentes, à dix personnes. Et voilà, au verset 20, il y a celui qui n'a pas fait fructifier euh, la parole et la vie. Et il est dit ceci. Je vous le redis. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine je l'avais mise de côté dans un linge, car j'avais peur de toi. Voilà, cette mine qui est mise dans un linge, cette, ici cette somme d'argent dans la parabole, mais en fait c'est la, la parole, c'est euh, l'alliance qui a été mise dans un linge, et eh bien ça représente, je crois, euh, tous ceux qui n'ont pas accepté de rentrer dans ce mouvement d'ouverture l'esprit que propose Jésus dans ce souffle, dans ce grand souffle, il peut y avoir une vie religieuse comme elle est dénoncée ici, qui va mettre dans un linge, c'est-à-dire qui va comme enreber dans, dans des pratiques, dans des rites, dans des règles, euh, la force de la parole, qui fait que finalement on va comme euh, étouffer la puissance de la parole dans euh, des, des pratiques qui la rendent qui inféconde finalement c'est terrible c'est vraiment ça que euh, sur ça que le Christ pleure dans l'évangile d'aujourd'hui quand il approcha de la ville et qu'il l'aperçut il pleura sur elle on peut détourner la parole en je dirais en la restreignant en l'enfermant dans des choses qui euh, finalement vont l'empêcher de, de bousculer notre vie et la vie du monde et à un moment, le Christ va être très fort, très violent par rapport à cela. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, verset 27, Vous qui ressemblez à des sépulcres blanchis. C'est terrible. C'est vraiment ce linge, ce linceul dans lequel on enferme la vie. Et aujourd'hui, finalement, ce cri, ces pleurs du Christ devant Jérusalem, c'est vraiment... Ces pleurs devant tout ce qui en nous va se fermer à la vie, se fermer à cette bonne nouvelle qui vient pour renouveler la totalité de ce que nous croyons, de ce que nous vivons, de ce que nous pratiquons, de tout ce que nous essayons de mettre en œuvre. Il y a besoin en permanence d'un renouveau, d'un renouveau intérieur qui va permettre que la vie soit plus forte que la mort. Alors, euh, comment arriver Alors, Jésus, on voit ici, il pleure, mais. Les apôtres qui n'ont pas exactement la même vision de lui devant la fermeture vont proposer d'autres moyens. Et je lis toujours dans l'évangile de Luc au chapitre 9, donc versets 51 à 55. Voilà, comme arrivait le temps où il allait être enlevé au monde, Jésus prit résolument la route de Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui, ceux-ci s'étant mis en route, entrèrent dans un village samaritain pour préparer sa venue. Mais on ne l'accueillit pas. Parce qu'ils faisaient route vers Jérusalem. Voyant cela, voilà la, la méthode des disciples, devant la fermeture, voyant cela, les disciples, Jacques et Jean, dirent Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu tombe du ciel et les consume Mais Jésus, se tournant, les réprimanda et ils firent route vers un autre village. La méthode du Christ, la méthode de Dieu avec nous, n'est pas de nous forcer à accueillir. Ce renouveau profond, la puissance de sa parole. C'est une invitation, une invitation faite avec délicatesse, faite avec amour, avec patience. Et ce verset de, de l'Apocalypse dit tout là-dessus. Apocalypse 3, 20, c'est un verset magnifique. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. C'est la méthode de Dieu avec nous. C'est une méthode d'amour. Le Seigneur est comme un pauvre devant notre porte. Il nous propose un renouvellement total si nous accueillons sa tendresse, si nous accueillons son amour, si nous accueillons sa parole, si nous nous laissons saisir au plus profond de nous-mêmes. Eh bien, il ne nous force pas. L'amour ne s'impose pas. Jamais l'amour ne s'impose. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la rage. L'amour, c'est une proposition, une délicatesse. Et le Seigneur se tient devant notre porte, il se tient avec toute sa tendresse, prêt à faire une révolution totale en nous, mais jamais si nous le, le refusons. Il se tient à la porte, il frappe, là il pleure devant Jérusalem. Mais il n'impose pas par la force cette, ce changement. Alors, ça, ça interroge aussi nos manières de, de, de vivre cette relation avec Dieu. Est-ce que nous nous sentons vraiment devant lui, dans cette pauvreté, devant quelqu'un qui est encore plus pauvre que nous parce qu'il est vulnérable à notre refus ou à notre accueil On disait que François d'Assise parcourait les rues d'assises en pleurant et en criant l'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas aimé bien Il reprend ici les pleurs du Christ qui ne va pas euh, nous obliger à accueillir cette révolution de sa tendresse mais qui va sans cesse la proposer. Mais si nous voulons enfermer euh, l'amour dans des linges, c'est-à-dire enfermer l'amour dans la mort, eh bien il ne peut pas nous obliger. Il nous dit, mais non, dévoile, ouvre ce linge, ouvre la porte, et je pourrai, avec toi, non pas en t'imposant, mais avec toi, faire du nouveau. Bien que aujourd'hui notre méditation soit vraiment comme une réponse d'amour à un amour qui nous espère sans cesse, qui s'use les yeux, comme dit... Paul Baudiquet, devant le père de l'enfant prodigue, qui s'use les yeux à attendre notre retour, notre ouverture, notre accueil de la vie. Eh bien, bonne méditation devant ce Dieu mendiant d'amour qui peut transformer complètement notre existence si nous l'accueillons, tout simplement. Bonne journée. À demain.